Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de J-League. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la 13e journée avec cet affrontement entre le Shimizu S-Pulse et le Vissel Kobe, deux équipes qui sont très très proches au classement évidemment, même si les S-Pulse s'en sortent quand même un tout petit peu mieux que leur adversaire du jour. À l'heure actuelle, Shimizu S-Pulse est 11e avec 14 points et donc le Vissel Kobe n'est pas très très loin derrière, 13e avec 13 points. Avispa Fukuoka est juste devant Vissel Kobe, ils ont le même nombre de points, mais la différence de but est très légèrement l'avantage d'Avispa Fukuoka. Ce sont trois équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche, hein, très clairement, évidemment. Donc c'est un match qui va être très très important entre Shimizu et Vissel, parce que ça va être important pour les deux équipes de pouvoir essayer de passer un petit peu devant l'autre et de prendre un petit peu le large, d'autant qu'ils sont très très proches, mine de rien, de la zone rouge, et ça va leur faire du bien de se donner un petit peu d'air en prenant des points. Shimizu S-Pulse pourrait éventuellement rejoindre la première partie de tableau. En cas de victoire, ils auraient 17 points et donc ils seraient égalité avec Tokyo Verdy et les Urawa Red Diamonds. Ça se jouerait à la différence de but. C'est possible pour eux de leur passer devant, mais évidemment, il faudra prendre les 3 points de la victoire et ce ne sera pas une mince affaire face au Vissel Kobe qui va évidemment tout donner pour remporter la victoire. En cas de victoire de Vissel Kobe, eux, pour le coup, ne pourraient pas passer dans la première partie de tableau, ils resteraient dans la deuxième. Selon la différence de but, encore une fois, ils pourraient peut-être espérer passer devant les Kashima Antlers, même si ça semble un petit peu compliqué quand même. C'est parti donc dans ce match-là. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi et les S-Pulse qui perdent déjà le ballon avec Kazuyoshi Miura qui commence à dribbler. Kazuyoshi Miura qui réussit à se faire de Kishinelli déjà dans la surface de réparation, et heureusement que Morisaki a réussi à réagir très promptement et a réussi à lui plonger dans les pieds pour lui prendre le ballon, parce que eh bien, ça aurait pu être très très compliqué. Première très très grosse alerte sur les buts des S-Pulse. Et tout de suite, eh bien, le Vissel qui repart à l'attaque. Heureusement que Bando veillait et a réussi à revenir sur Miura, parce que ça aurait pu être très très compliqué. Match, début de match assez intense du côté du Vissel Kobe qui n'hésite pas à se précipiter vers les buts adverses. Mais cette fois, eh bien, c'est les S-Pulse qui ont le ballon, mais qui l'ont perdu très très rapidement grâce à une superbe intervention de Belaziz qui réussit à remonter le ballon et à le passer encore une fois à Kazuyoshi Miura. Pardon, avec Miura qui réussit à avancer mais se fait prendre le ballon par Kishida. Très très belle intervention de Kishida, tout en finesse. Cette fois il ne se sera pas jeté, c'est une très bonne chose, on l'a vu, hein. Miura a réussi à éviter le premier tacle sans aucune difficulté. Là, eh bien, Kishida aura beaucoup mieux géré sa deuxième intervention avec Belaziz qui récupère encore une fois le ballon. Et pour Kazuyoshi Miura qui touche énormément de ballons dans ce début de match avec Nishio. Nishio qui retrouve Kishida, évidemment, superbe 1-2 entre Kishida et Nishio, évidemment les deux coéquipiers qui se connaissent depuis bien bien longtemps. Ils ont joué ensemble à Nankatsu, ils ont joué ensemble à la Otomo. Ce sont deux joueurs bien entendu qui se connaissent depuis très très longtemps, avec Farhan Kontsawat. Farhan qui va peut-être tenter sa chance, déjà la frappe de Farhan Kontsawat. Le ballon est très très bien travaillé, l'effet est horizontal et le gardien Kotoge qui peut réussir à le repousser sans grande difficulté. L'effet était tellement prononcé qu'il n'a pas réussi à s'en emparer, mais il aura réussi quand même à le repousser avec Farhan Kontsawat qui tergiverse un petit peu trop malheureusement et qui perd le ballon dans la surface de réparation, ce qui donne lieu à une contre-attaque du Vissel Kobe avec Sorimashi qui, je crois, touche ici son premier ballon du match. Ça n'aura pas duré très très longtemps, il l'a perdu relativement vite avec Bando pour Kida. Kida qui va essayer de s'approcher des buts adverses avec Iglesias, parfaite déviation de Iglesias pour Matsumoto dans la surface de réparation, le centre de Matsumoto un petit peu trop en retrait malheureusement, mais Farhan va peut-être pouvoir la récupérer. Il est au duel avec Miura, c'est une égalité, et du coup Yana Guida qui peut repousser le ballon. C'est dommage, Matsumoto avait peut-être un petit peu mieux à faire. C'est vrai que pour l'instant les S-Pulse n'auront pas eu énormément d'occasions, donc il va falloir réussir à les convertir et en faire quelque chose de bien à chaque fois, parce que évidemment elles risquent d'être assez rares. Avec Miura, avec Kinkazu, encore une fois la frappe extrêmement puissante pour essayer de tromper Morisaki, et c'est l'ouverture du score. Incroyable, la frappe était tellement puissante que même Yuzo Morisaki n'aura rien pu faire et n'aura pas réussi à l'arrêter. C'est dommage. Alors on le voit, ça vient de cette action des S-Pulse. C'était une belle action bien construite, mais malheureusement, eh bien, Matsumoto qui n'aura pas forcément réussi à placer un excellent centre, et Farhan aura perdu son duel, et du coup, eh bien, la contre-attaque aura été extrêmement rapide, et il ne faut pas évidemment des milliards d'occasions à Kinkazu pour réussir à mettre le ballon au fond des filets. Le King Shot qui permet d'ouvrir le score, but de Kazuyoshi Miura, et donc même le SGGK
Yuzo Morisaki qui n'aura rien pu faire sur cette action. Ouverture du score pour le Vissel Kobe, un but à zéro, et je crois que c'est le 10e but de la saison pour Kinkazu. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Très très belle performance évidemment de Kazu Yoshimura, le leader de cette équipe de Vissel Kobe, avec la contre-attaque pour Iglesias, pour les Espels, avec Iglesias qui réussit à se défaire un petit peu de ses adversaires. Iglesias qui a du chantier dans la surface de réparation, la frappe d'Iglesias qui s'écrase sur la barre transversale. C'est Kotoge qui avait réussi à la repousser sur la transversale. Très très belle action, très très belle parade du gardien. Malheureusement ça cafouille un petit peu dans la surface de réparation et personne ne réussit à la récupérer. Kishida qui réussit quand même à la reprendre assez rapidement, et du coup les Espels qui ont encore une nouvelle chance, qui n'ont pas envie de laisser perdre cette chance, de laisser choir cette occasion. Et du coup, eh bien Matsumoto qui a encore le ballon, qui réussit à dribbler sur le côté droit, qui réussit à se défaire de son opposant. Le centre de Matsumoto, c'est pour Kida, Kida peut-être, mais Belaziz qui est parfaitement intervenu pour récupérer le ballon. Très très belle action des Espels. Les Espels qui réussissent à se réveiller un petit peu. C'est très imprécis pour l'instant. C'est très très imprécis pour l'instant. Les passes ont du mal à trouver leur destinataire. Les dribbles ne sont pas toujours très pertinents non plus. Et du coup, eh bien, le Vissel Kobe qui réussit à s'en sortir un petit peu mieux pour l'instant. Mais très très belle défense de Nishio. Magnifique défense de Nishio qui aura réussi à se défaire de deux de ses adversaires et qui remonte le ballon. Nishio qui est parfaitement remonté sur cette action dans tous les sens du terme, avec la balle pour Matsumoto. Encore une fois, et Matsumoto qui perd le ballon. Matsumoto qui manque énormément de précision dans ce début de match, c'est dommage. Il ne va pas falloir trop gâcher les actions parce que, eh bien, de l'autre côté, clairement, le Vissel Kobe, eux, ne les gâchent pas du tout, avec Leandro. Leandro qui réussit à se défaire de Kishida, il me semble. Non, c'était peut-être Nishio. En tout cas, la frappe de Leandro et Morisaki qui est dessus, qui cette fois réussit à s'en emparer sans grande difficulté. Le double pivot Nishio Kishida qui n'aura rien pu faire pour arrêter Leandro, avec Kazu encore une fois qui touche le ballon, mais Bando qui est très très bien revenu. Magnifique tacle glissé pour récupérer le ballon, et la relance est très très rapide pour Kida. Kida qui va essayer de trouver Farhan qu'on n'a pas forcément énormément vu depuis le début de ce match. La passe pour Matsumoto. Matsumoto qui percute sur le côté droit. Alors Matsumoto encore une fois, hein, très très bon ailier de débordement, et c'est encore une fois une passe ratée très très bien interceptée par Belaziz. Mais Matsumoto fait un bon match dans le débordement, hein, ses qualités de dribble et de percussion qui sont vraiment très très intéressantes. Mais alors par contre, il manque tellement de précision dans la passe, c'est catastrophique. Avec Iglesias à bout portant, la frappe dans la surface de réparation pour essayer de tromper Kotoge, mais Kotoge qui réussit à la récupérer, qui réussit à la repousser. Iglesias est le premier à la retomber du ballon. Encore une fois, Kotoge ne peut que la repousser, ça cafouille un petit peu, mais le défenseur Miura qui peut repousser le ballon, un Miura pour un deuxième, et du coup la contre-attaque pour le Vissel Kobe avec Sorimashi. Sorimashi qui va devoir faire un petit peu mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un premier dribble parfait pour Sorimashi. Sorimashi qui réussit à repousser, à remonter encore un petit peu le ballon, mais Farhan qui est très très bien redescendu pour prendre le ballon au jeune joueur japonais. Du coup, Farhan contre Sawat qui va essayer de remonter le ballon, mais qui le perd face à Yanegida. Et du coup, la balle pour Kazu, pour Narita. Kazu qui va essayer de récupérer le ballon. Ils se sont petit peu embrouillé malheureusement, et du coup, eh bien, Morisaki qui peut récupérer le ballon sans grande difficulté. C'est la fin de cette première mi-temps, une première mi-temps dominée par les Shimizu Espels. 54% de possession de balles, mais comme on le dit assez souvent, hein, dominer n'est pas gagné, et là ça se voit très clairement. Ils dominent certes, mais alors par contre ils ont du mal à faire fructifier leurs actions, et c'est tout l'inverse du Vissel Kobe qui est absolument létal aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'actions pour plonger le ballon au fond des filets. Toujours un but à zéro pour le Vissel Kobe. Évidemment, but de Kazu Yoshimura qui touche encore une fois le ballon sur cette action. Le capitaine de cette équipe de Kobe qui se précipite à l'attaque, qui se fait avoir par Kishida. Kishida était parfaitement vigilant sur cette action. Il remonte un petit peu le ballon, et du coup il retrouve Farhan, mais qui perd le ballon face à Yanagida. Et du coup encore une possibilité d'action pour le Vissel Kobe. Kazu Yoshimura encore une fois, le king shot peut-être pour le but 2 à 0, peut-être pour le doublé. La frappe est assez lointaine, mais elle est assez puissante, et Morisaki qui réussit cette fois à la repousser. Mais on voit qu'à chaque fois que Kinkazu tente sa chance, et eh bien la frappe est extrêmement dangereuse. Il va falloir faire très très attention, il va falloir lui laisser un petit peu moins d'options, parce que il est extrêmement libre sur le terrain pour l'instant. Le marquage n'est vraiment pas très très serré depuis le début. Très très belle intervention de Komatsu pour récupérer le ballon sur Kazu avec Sorimashi. Sorimashi la passe directement pour Leandro, très très bien vu de la part de Sorimashi, et Leandro qui est seul dans la charge de réparation.
célébration qui se fait avoir au dernier moment par Kishida. Très très belle intervention de Kishida qui retrouve directement son partenaire Nishio pour essayer de faire remonter le ballon encore une fois. 1-2 très très bien senti pour pouvoir remonter un petit peu le ballon. Et c'est Matsumoto. Matsumoto, la passe encore une fois, mais Matsumoto qui manque de précision, c'est catastrophique. La performance de Matsumoto aujourd'hui est vraiment très très compliquée. Alors encore une fois, il est bien placé pour récupérer le ballon, il est capable de bien remonter le ballon, il est très très efficace pour les dribbles et pour la percussion, ça on l'a dit, mais alors toutes ses passes sont absolument catastrophiques, à part celle-ci, un mélange entre celle-ci et celle-là, ça nous donne celle-là, celle-ça, oh là, encore une fois je me perds comme lors du dernier match, on va se reconcentrer immédiatement avec King Kazu, Kazu qui commence à dribbler, qui se fait avoir par Farhan Kontsawat, très très belle intervention du joueur thaïlandais Farhan Kontsawat qui est très très précieux aujourd'hui en défense, qui n'hésite pas à redescendre assez bas pour récupérer le ballon, mais du coup, eh bien, sa présence offensive manque forcément un petit peu, il ne peut pas être partout sur le terrain, et du coup, ça manque un petit peu de poids, peut-être offensivement pour l'instant, du côté des Espels, avec Farhan Kontsawat, cette fois, qui est passé à l'attaque, justement, avec Farhan Kontsawat, encore une fois, la frappe très très bien brossée, très très bien travaillée pour essayer de tromper Kotoge, mais Kotoge est vraiment très très vigilant, les tirs de Farhan Kontsawat qui sont dangereux, certes, mais qui pour l'instant, eh bien, n'arrive pas à tromper le gardien avec Farhan Kontsawat, encore une fois, dans ses œuvres, évidemment. Et Farhan Kontsawat, encore une fois, qui tente la frappe, Farhan, qui essaye encore et encore, mais Kotoge est absolument sur tous les ballons. Et pour l'instant, le Thaïlandais qui n'arrive pas à trouver la solution face à Kotoge, très très belle performance globale de Kotoge, hein, de toute façon, très très bon match. Farhan aussi tente beaucoup, Farhan très très précieux aussi en défense, comme je l'ai dit, mais offensivement, il tente beaucoup, mais pour l'instant, eh bien, ce n'est pas vraiment couronné de succès. Alors que de l'autre côté, il va falloir faire attention parce que Leandro a un petit peu de chance. Leandro, pour l'instant, il essaye d'avancer. Il arrive à avancer. Ça pourrait être très dangereux, la frappe de Leandro, peut-être pour essayer de tromper Morisaki. Morisaki qui réussit à repousser le ballon. Et pour l'instant, le score est toujours de 1-0. Et le lycée de Kobe qui n'arrive pas à augmenter la marque. Mais eh bien, les Espels qui n'arrivent pas à réduire la marque non plus. Donc pour l'instant, le statu quo qui continue évidemment avec Iglesias. La contre-attaque pour Matsumoto. Matsumoto qui va essayer de déborder encore une fois. Alors, on n'a pas trop d'inquiétude sur les dribbles. Pour la passe, c'est un petit peu plus compliqué. Même si cette fois, il a parfaitement réussi avec Farhan. La passe pour Iglesias. Iglesias qui réussit à se défaire de Belaziz. Iglesias dans la surface de réparation. Il a une belle occasion cette fois. La frappe d'Iglesias du pied gauche. Alors évidemment, ce n'est pas son bon pied. Et du coup, la frappe manquait un tout petit peu de puissance. Kotoge a été surpris quand même. Il n'a pas réussi forcément à la bloquer, mais il a au moins pu la repousser avec King Kazu encore une fois qui a le ballon, qui va essayer de s'approcher un petit peu. King Kazu qui réussit à s'avancer encore une fois. Peut-être la frappe de Kazu pour doubler la marque, pour doubler son compteur personnel aujourd'hui. La frappe de Kazu pleine de rage, pleine de puissance pour essayer de tromper Morisaki. Morisaki est dessus et réussit à la repousser encore une fois. Morisaki qui n'est pas forcément très très sûr dans ses prises de balles, mais au moins il est bien placé et ses réflexes sont bons. Donc, eh bien, pour l'instant, il évite le pire. Alors certes, son équipe est toujours en train de perdre, mais eh bien, les choses ne sont pas encore terminées. Il prolonge un petit peu l'espoir de son équipe avec Iglesias. Iglesias qui va essayer de dribbler, pris par Belaziz. Mais Farhan qui surgit, qui réussit à récupérer le ballon. Très très beau numéro de Farhan pour se défaire de tous ses opposants. Magnifique action de Farhan Kontsawat. Farhan Kontsawat, la frappe encore une fois de Farhan Kontsawat du milieu du terrain qui rentre. Incroyable, le but absolument magnifique du meneur de jeu thaïlandais qui permet à son équipe de revenir à un but partout. Quelle action, quel but absolument incroyable de Farhan Kontsawat. Et alors, on l'avait vu, on l'avait dit, Farhan Kontsawat qui a multiplié les actions, qui a multiplié les tirs. À chaque fois, il tentait une frappe avec un effet horizontal, ça ne marchait pas. Cette fois, il a changé un petit peu, il a essayé de modifier un petit peu sa frappe, il a tenté une frappe avec un effet vertical. Et cette fois, eh bien, Kotoge ne s'y attendait pas. Il s'attendait probablement à une frappe encore une fois avec un effet horizontal. Et donc, eh bien, il a été complètement surpris par ce drive shoot et il n'aura absolument rien pu faire, il n'aura absolument pas pu bouger sur cette action. Et du coup, c'est l'égalisation pour les Espels. Magnifique action de Farhan Kontsawat qui permet donc à son équipe de revenir à un but partout. Et Farhan Kontsawat qui réussit à récupérer directement le ballon. Farhan Kontsawat encore une fois qui réussit à avancer, qui réussit à se défaire de deux de ses opposants. Il continue d'avancer et encore une fois un drive shoot de Farhan Kontsawat, peut-être pour doubler la mise. Et non, cette fois Kotoge qui ne peut que repousser le ballon, mais au moins il était dessus.
Cette fois, il était peut-être un petit peu plus préparé. Il se doutait que, eh bien, Farhan était capable de ce genre de frappe avec le centre et la tête de Kida qui est parfaitement arrêtée par Kotogé. Mais très très beau tour de passe-passe de Farhan Kontsawat pour revenir à égalité dans ce match. Très belle action, même si, eh bien, ce n'est évidemment pas terminé. On est très très proche de la fin du temps réglementaire avec King Kazu. Kazu peut-être pour réussir à reprendre l'avantage. Mais Nishio, encore une fois, qui réussit une très très belle intervention. Nishio et Kishida qui, encore une fois, aujourd'hui, auront réussi globalement un très très bon travail. Ils auront empêché énormément d'actions, mais le ballon est encore une fois sur Kazu. Kazu qui va réussir à s'avancer pour le coup. Et bien, ni Kishida ni Nishio n'auront réussi à intervenir. Et la frappe de Kazu, peut-être pour essayer de le tromper, mais Nishio au tout dernier moment qui surgit pour ralentir au maximum le ballon. Et du coup, le ballon qui vient s'écraser dans les bras de Morisaki. Très très belle intervention de Nishio. Très très beau sens du sacrifice pour s'imposer sur cette frappe, avec encore une fois une frappe du Vizel Kobe pour essayer de tromper le gardien. Mais Morisaki qui réussit à la repousser, encore une fois, c'est compliqué, mais pour l'instant, eh bien, ça tient avec Kazu. Kazu qui est dans la surface de réparation, extrêmement proche du but, avec Nishio qui se précipite sur lui, qui va essayer de lui opposer toute sa force pour l'empêcher de tirer. Le premier duel est de force égale, mais sur le deuxième, King Kazu qui réussit à remporter le duel. Mais Morisaki qui réussit encore une fois à repousser le ballon, qui va être le premier à la retombée du ballon, c'est Oda. Et du coup, l'arbitre qui siffle la fin du match et les S-Pulse qui évitent le pire dans cette rencontre. Match nul, un but partout, très très belle rencontre entre les Shimizu S-Pulse et le Vissel Kobe. Ça n'était pas forcément très très bien parti pour les S-Pulse, avec une ouverture du score relativement rapide, évidemment, de Kazu Yoshimura. Une superbe frappe pour tromper Morisaki. C'est vrai que le début du match avait été quand même globalement compliqué. Le Vissel Kobe a eu beaucoup beaucoup d'actions, aura réussi à se procurer pas mal d'occasions. Mais à côté de ça, on l'a vu à la mi-temps, hein, la possession de balle qui a globalement été du côté des S-Pulse. Malheureusement, c'était globalement assez infructueux. Ils auront eu du mal à se procurer des occasions, et à côté de ça, eh bien, le Vissel Kobe qui en aura profité, qui aura ouvert le score très très rapidement, et le match qui aura continué, les occasions qui se seront enchaînées des deux côtés du terrain, évidemment, mais aucune des deux équipes n'aura réussi à faire changer le score jusqu'à la toute fin du match, évidemment. Et cet exploit absolument formidable de Farhan Kontsawat, on l'a dit, il aura multiplié les tirs à effet horizontal jusqu'à réussir à tromper Kotogé, à surprendre Kotogé grâce à un tir à effet vertical. Et pour le coup, eh bien, ça aura été vraiment très très efficace. Score final donc, un but partout entre les deux équipes. Alors on l'avait vu, hein, au classement, les deux équipes qui étaient de toute façon très très proches avant ce match. Bon, bah forcément ça n'a pas changé grand chose, hein, un match très très serré. On aurait pu s'attendre peut-être à un match un peu plus disputé, dans le sens où, parce que c'était un match évidemment très très disputé, mais on aurait pu s'attendre à un match un peu plus ouvert, voilà. C'est le terme que je cherchais, mais c'est vrai qu'avec des gardiens de la trempe de Kotogé et Morisaki, c'était évidemment pas forcément facile de tromper la défense des deux équipes est de réussir à planter quelques buts. On le voit là avec la frappe, l'une des frappes de Farhan Kontsawat. Kotogé qui aura fait un vrai très très beau match, qui se sera interposé sur beaucoup beaucoup de ballons, qui se sera imposé sur pas mal d'actions. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant pour lui sur la dernière action, sur le but de Farhan Kontsawat. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce but, très très intéressant, l'utilisation du ballon de Farhan sur cette action. Toute l'action est vraiment formidable, parce qu'il fait déjà un superbe festival au milieu du terrain en réussissant à se défaire de pas mal d'adversaires. Il se sera retrouvé vraiment dans une forêt de joueurs, mais il s'en sera très très bien sorti, et donc jusqu'à ce drive shoot absolument magnifique qui l'aura laissé Kotogé sur place. Vraiment très très belle action, et globalement de toute façon un très très beau match de la part des deux équipes. Donc score final entre les Shimizu S-Pulse et le Vissel Kobe, un but partout, une égalisation, un partage, une égalité pardon, un partage des points qui ne convient pas forcément aux deux équipes. Évidemment, elles avaient besoin de prendre des points pour s'éloigner un petit peu de la zone rouge, pour s'éloigner un petit peu de leur concurrent du jour. Malheureusement, eh bien, ça n'aura pas été le cas, et du coup, eh bien, il reste à peu
peu près dans la même zone du championnat. Du coup, eh bien, les Shimizu Espels qui se retrouvent à égalité de points avec Jeff United et Chiara. Alors, ils sont juste derrière eux. Ils ont le même nombre de points, ils ont la même différence de but, ils ont la même attaque, la même défense, mais le Jeff United et Chiara a gagné un petit peu plus de matchs que Shimizu Espels, donc on priorise ça pour que Jeff United soit encore devant, mais globalement, les deux équipes sont évidemment à égalité. Le Vissel Kobe peut passer quand même devant Avispa Fukuoka, c'est la bonne nouvelle pour eux aujourd'hui, c'est pas forcément grand chose, Avispa Fukuoka aura l'occasion de revenir encore devant, de les dépasser, mais ça permet de prendre un petit peu de points pour le Vissel Kobe, ça permet d'avancer quand même encore un petit peu. Très très beau match donc entre les deux équipes, un score final de 1 but partout, j'espère que le match vous aura plu, on se retrouve évidemment très très bientôt pour la suite du championnat, le prochain match va opposer Sanfrecce Hiroshima et les Yokohama F Marinos, le 16e contre le 14e, un seul petit point qui les sépare, ça va être un match vraiment très très important, très très intéressant, très très serré, ça va être un match très très tendu, malheur au vaincu dans cette rencontre, il va absolument falloir prendre des points pour les deux équipes. J'espère donc que le match du jour vous aura plu, on se retrouve pour cette rencontre sous haute tension entre Sanfrecce Hiroshima et les Yokohama F Marinos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se revoit donc très bientôt pour la suite de cette 13e journée de J-League.